Je t'ai vu à la télé à l'instant. Quoi? Je passe à la télé? Attendez, je vais voir parce que j'étais pas au courant. Dans la vie, Maëva est traductrice et Ilona, maquilleuse professionnelle. Mais depuis quelques temps, c'est sur les réseaux sociaux qu'elles se font remarquer en surfant sur la tendance du low cost. M6, c'est des gros mythos. Déjà, le reportage, il a été filmé en octobre. Il a été diffusé sur 66 minutes en octobre. Et là, ils le rediffusent. Et je m'étais déjà exprimée là-dessus. J'étais vraiment pas contente du montage qu'ils ont fait. Déjà, de une, ils mentent parce qu'ils me présentent en tant que traductrice alors que mon métier principal, c'est l'influence. Pareil pour ma copine Ilona, alors qu'on nous avait promis de mettre nos réseaux sociaux. Ils avaient tout filmé. Donc, ils partagent pas nos réseaux sociaux. Ils mentent sur notre profession. Et en plus, ils disent quoi? Ils disent qu'on a percé grâce au low cost, genre on a percé grâce à Action. J'étais même pas au courant qu'ils allaient me reposter aujourd'hui. J'ai même pas donné mon accord. Enfin bref, autre chose, les journalistes ont dit que le make-up Action c'était au même niveau que la contrefaçon. Alors que je me suis entêtée à expliquer dans le reportage que c'était pas du tout pareil. Que le maquillage d'Action c'est des dupes de vraies marques. Un dupe c'est autorisé par la loi. Ça respecte toutes les normes européennes par rapport au maquillage et à la commercialisation du maquillage. Alors que la contrefaçon c'est interdit par la loi. Et en gros dans le reportage ils ont mis le make-up Action et les contrefaçons dans le même sac comme si c'était pareil. Entre le fait de mentir sur ma profession, le fait qu'ils nous mentent à nous parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient faire un reportage sur nous, Ilona et moi, sur notre métier d'influenceuse et tout ça, et au passage ils allaient montrer nos make-up, nos réseaux sociaux, etc. Et qu'au final ils font un reportage sur les contrefaçons et le maquillage Action qui est pareil au final, M6 ça fait un peu beaucoup de mensonges là. Et le pire c'est que vous le repostez, on était passé sur 66 minutes, là vous avez juste changé 66 minutes en un jour un doc. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'énerve en sachant que j'ai pas donné mon autorisation la deuxième fois. Alors s'il vous plaît mes petits chamallows, partagez, j'espère que ça remontera aux oreilles de M6 pour plus que ça soit reposté.